Hare Krishna, je suis à Nantes dans un jardin, dans un parc public, sur une pagode de la Corée du Sud, très agréable. Et ici, nous avons une dévote. Haribo, Hare Krishna, je m'appelle Adharana Devidassi et j'habite à Nantes depuis 11 ans. C'est ma ville maintenant, c'est où j'essaie de développer ma communauté de Namahata. Voilà. Alors, disons, pourquoi tu as commencé à faire des programmes? Quelle était la raison de départ? Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de dévots et l'idée, c'est de rassembler les dévots pour qu'on puisse continuer la mission de Srila Prabhupada. Alors, il semble que tu as commencé toute seule ici à Nantes. Oui, Hein? c'est vrai. Hein? J'ai commencé toute seule. Maintenant, il y a deux, trois bhaktas et les dévots qui viennent me rendre visite, comme Devarshi Prabhu. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que, comme on dit en anglais, when there is a will, there is a way. Quand il y a un désir, on trouve un moyen de le faire. Alors, pourrais-tu un peu nous partager quelques-unes de tes réalisations, de faire des programmes comme ça de manière régulière à Nantes? Très bien. Alors, mes réalisations, c'est que déjà moi-même, mon sadhana, ma bhakti, elle se développe, elle s'enracine, ça devient plus fort déjà moi-même pour que je puisse partager avec les autres. Et j'ai commencé aussi à distribuer des livres à Nantes. Ça, c'est quelque chose de plus pour les programmes. Et voilà, et la joie de vivre aussi, c'est ça. Je suis contente de faire ce que je fais. C'est bien. Et j'ai vu que maintenant tu as un appartement qui est assez grand. Ça veut dire que tu peux rassembler des gens dans ton appartement dans la ville de Nantes. Oui, c'est bien ça, ouais. J'ai un Hein? grand appartement, j'habite dans une île et du coup, hier, ensemble, on a choisi un nom pour ces centres de Namahat, on va dire, Godrum Dweep, puisque comme j'ai fait beaucoup de kirtan dans mon appartement, donc Godrum et Dweep, parce que j'habite dans l'île, île de Nantes, le Nantes Sud. Voilà, hein. Ça veut dire, disons, que tu as trouvé une chose intéressante et importante pour ta vie spirituelle, c'est que tu développes ta vie spirituelle et tu partages ça avec d'autres personnes. Oui, C'est ça. exactement ça. C'est ça. C'est ma vie spirituelle que je l'apprécie de plus en plus Oui. avec l'âge, avec l'expérience, mes voyages et tout Oui. ça. Et en plus, je partage avec mes amis, les voisins, tout le monde. Il y a pas de... Tout le monde a invité à venir chez moi, à chanter, à faire des bhajans. Voilà, c'est Oui. ça. Et j'ai vu que comme tu joues bien des instruments de musique, c'est un petit plus. Ça veut dire, quand tu fais des programmes, est-ce que tu as une organisation pour le programme ou c'est un peu spontané? Alors, vu que nous ne sommes pas très nombreux, l'organisation s'y fait à la dernière minute. Bien évidemment, j'aimerais avoir d'autres musiciens pour vraiment composer un groupe de bhajan, de kirtan. Mais pour l'instant, c'est comme ça, spontané. C'est ça, disons. C'est-à-dire, disons, tu fais le programme traditionnel, bhajan, kirtan, petite discussion et prochadam. Oui, c'est ça, les programmes traditionnels. Des C'est ça. fois, un tour de japa quand il y a des Oui, bhaktas. oui. J'ai plusieurs japamalas dans Oui. mon placard. Je prête les japas Oui. pour faire le tour de japa. Et on chante, on fait la lecture d'un verset Bon. et on prend le prachadam. C'est ça, oui. C'est-à-dire que ça correspond exactement au programme de Namahata, on trouve, qui a été développé par Bhaktivinoda Thakur, qui a habité à Godrum, Vip, en Inde. Waouh, c'est ça. Hein? Bah, j'essaye de. Au moins, on essaye. Au moins, on fait le premier pas. Et voilà, si Krishna il veut, il va envoyer des dévots parce qu'on a besoin. Donc, Ouais, c'est n'hésitez ça. pas à en passer. Si vous êtes de passage, Nantes, c'est le milieu entre la Bretagne. Si vous passez, vous me contactez et on ferait un petit programme chez moi. Voilà, je mettrai, disons, la coordonnée d'Adharana dans la description de la vidéo. Alors, merci beaucoup pour cette petite vidéo inspirante parce que comme il y a des dévots maintenant un peu partout, c'est inspirant de voir des dévots qui font quelque chose dans le mouvement de Srila Prabhupada. D'accord, c'est très bien pour vous. Merci beaucoup pour l'opportunité de servir. Jai, Hare Krishna. Hare Krishna.